Well, they shouldn't be able to get through that. On the downside, we can't get through them. What are you looking at? Ta jambe est coupée, monsieur. Ah, qu'est-ce que je vais faire? What are you going to do? Je vois une scie encore, oh mon dieu. Holy fuck. C'est la meilleure chose à faire. On a vu ça dans la série, hein. Ils ont coupé la jambe de Herschel. Spoiler, désolé, hein. C'est pour ceux qui n'ont pas regardé la série. Et ça fonctionne. On peut sauver quelqu'un en coupant la jambe. Oh putain, il coupe jusqu'au genou. Il va y arriver ou pas? Bleed out like a stuck pig. What are you gonna do? Carry me out of here on your back? Hell. Just give me a minute. Putain, ça me rappelle la situation avec Lee, du coup. J'aime pas cette situation avec Lee. I'll try to find something to help. Mon dieu, il va se transformer avec moi? Il a pas intérêt? Oh, Nick. That stupid kid. Je pense qu'il est encore vivant, Nick. Il s'est enfui en courant. Et il court assez vite. Ok, on regarde la porte. Super. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, petite Clémy? Alors, une bouteille d'eau. Ça peut servir. Anything in that? J'aime bien Pete. Not much. Here. Thanks. Je suis obligé de lui donner un peu d'eau. Je sais que je l'ai pas donné à l'autre, mais lui il mérite. C'est mon pote Pete. Et même s'il va se transformer peut-être, on doit essayer de lui préserver pour le peu de temps qui lui reste. Je peux récupérer la scie. C'est intéressant. Hop. Je ne voulais pas vraiment faire ça. Je vois qu'il y a la clé sur le contact. Avec un peu de chance, on peut peut-être démarrer le moteur. Ou pas. Les fils sont détachés. Tournons la clé pour voir. Out of gas. Fudge. C'est malheureux. Alors maintenant, on va regarder. Il y a une boîte ici. On regarde ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a à manger. What's in there? Anything we can use? Des cigarettes, ça t'intéresse? Give me one of those. Cool. Est-ce que tu as du feu? Tastes like pine tar by now. Got a light? Alors, ah oui, j'ai. Ah, le fameux briquet du début. Est-ce qu'il fonctionne cette fois-ci? Ah oui, il fonctionne. Ah non, je confonds avec Far Cry. C'est dans Far Cry que ça marche pas. Si je bête. We wait. C'est pas un bon plan. Oh merde, j'ai pas pris la scie, je sais pas ce qu'elle voulait faire avec. Bon bah tant pis. On attend maintenant. Patientons passionnément. Peut-être que quelqu'un va nous en tirer de là. Peut-être que c'est Nick qui va venir le sauver. Clémy? On va prendre ça par précaution. Mais on va devoir vérifier avant s'il est bien en zombie. Parce que s'il n'est pas... Ne sois pas mort, s'il te plaît. Don't be dead, please. C'est bon, tout va bien. Oh, damn it. I feel like 10 pounds of shit in a 5 pound sack. Si on avait coupé la jambe tout de suite, ce serait pas comme ça.
Jesus. Stuck in this can the whole damn day. You want to hear something funny? Ouais. Ce serait le meilleur moment. I've been thinking. And I don't want to die. C'est un peu tard pour ça, tu sais. I never thought I'd be the kind of idiot to say something like that. But there it is. I'm scared, Clementine. Jesus, I'm scared. What does it feel like? It feels like... like a rope was wrapped around my neck. Getting tighter every second. It feels like I can't... can't breathe. Would you promise me you'll watch out for Nick? Ah. I love that stupid kid. Ah. No matter what you think. Je te promets, Pete, parce que je t'aime bien. I'll do what I can. Mais j'aime pas Nick. Il se souviendra de ça jusqu'à sa mort, évidemment. Qui sera dans quelques minutes, je suppose. Tu sais qu'on sera peut-être obligé de le tuer. Bah dehors, hein. Ce sera peut-être une meilleure idée. Lee pouvait marcher avec des zombies dans cet état-là. You're gonna have to make a break for it. Ça marche. I'll buy you some time. Tu viens avec moi. With me. To do what? Die a couple hours later than now? To say goodbye to Nick. All right. I'll try. Bien. Je veux pas. Je préfère ne pas aller tout seul parce que. Like my daddy used to say, we're burning daylight. Let's get this over with. Ça promet. Récupère la scie au cas où, non? Tu n'as aucune arme sur toi. Bizarrement, il n'avance pas. Oh oh. J'ai rien dit. Oh mon dieu, Pete. Tu es... It ain't gonna work. Go on now. Find my nephew. Get back to I the... I said go! God damn it, go! Ok, d'accord, c'est bon, j'y vais. Pourquoi je l'ai sauvé, c'est pour qu'il meure maintenant. Oh mon dieu. Ce destin tragique. Il ne devait mourir. Quoi que je choisisse. Oh. New Morning. Épisode 1. Tout ce qui reste. Non, je crois que c'est un petit bug. C'est épisode 2. In Arm's Way. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas sûr. C'est pas grave, hein. Bug de traduction. Oh, mais qu'est-ce qu'elle va dire maintenant aux autres? Elle la rend toute seule. Clementine, are you alright? Oh mon dieu, c'est en anglais. Luke's not with you? Luke n'est pas avec toi? Où est Alvin? What happened? It's been hours. J'ai été attaqué. Pete, got bit. Pete a été mordu. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Des marcheurs. Putain, il faut que j'arrête cette vidéo. Mon dieu. Where were you? Where were you exactly? Nous allons nous retrouver dans quelques instants, le temps que je règle ce petit problème. See you later. Ah, enfin. Vous pouvez tous remercier Flom28, car sans lui, tout ceci n'aurait pas été possible. Merci à toi, mec. Clémy, tu m'as manqué! Depuis tout ce temps! Clementine, are you alright? Luke's not with you? Where's Alvin? What happened? It's been hours. Where are they? Il a été mordu! Pete got bit. What? What happened? Walkers. My god. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there. Get the guns. Beat it down. Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Damn it, Luke. Et tout le monde qui va dehors? Clementine, can you please watch Sarah? Ok, d'accord. She's upstairs. Just distract her. And don't tell her anything. Well, we should go with you. It's too dangerous.
C'est plus dangereux d'être deux petites filles toutes seules dans une maison. We'll be back soon. Ok, ça marche. Ne t'affole pas, s'il te plaît. Tout va bien se passer. Nous y croyons dur comme fer. Say cheese. Emma. I found this under the house. There was all kinds of old stuff. Wow, un vieux Polaroid. On en fait plus des comme ça. Take one of me. Take one of me. Bien sûr. Sure. Get me in a good pose, okay? On va essayer de la préserver, la petite, hein. Photomatique. Okay, I'm ready. Take it. Ah, c'est réussi. What's wrong? Where's my dad? Ils sont à la pêche. They're just fishing. I know that's not true. Huh. Ah. Oups. On m'a dit de lui mentir. Moi, je fais. Hey! Chut, calme-toi, téléphone. Oh, elle pleure et Sorry. Tout. Sorry, I just need to. Ouais, j'aurais peut-être pas dû lui mentir, la pauvre. Mais on m'a dit de la préserver. Elle est un peu bizarre. Vous êtes pas d'accord? Demande si elle sait quoi que ce soit sur ce monde. Raconte-lui une histoire, Clémentine. You wanna see what I found? Elle passe. Oh! Will you show me how to use it? I couldn't find any bullets. Tant mieux. If something's wrong, I should know. What if I have to use one? Okay, but it's not a toy. I know. First, remember, it's just a thing. What does that mean? I don't know. I thought it'd be heavier. Okay, what do I do? The most important thing is, when you go to shoot, take a breath before you pull the trigger. Not that big. Vous avez montré à Sarah comment what se défendre. What should I shoot? Whoa. Don't do that! Sorry! Maybe I could practice outside. Non, there's c'est pas une bonne idée. Tree. Hey, Luke's back. Est-ce que c'est vraiment Luke? Moi, je l'ai pas vu, hein, personnellement. Bon, peut-être que ça va nous servir plus tard, du fait qu'elle sache se défendre. Parce que ça aurait pu être dramatique, en fait, si elle ne savait pas, par exemple, imaginez, en fait, qu'il y a un ennemi qui m'attrape, je lui ai pas montré comment faire, et bim, elle meurt, à cause de ma décision de ne pas lui montrer. Ce jeu peut être très vicieux, donc je préfère prendre toutes les précautions possibles. C'est pas Luke. C'est clairement pas Luke. Luke, il ferait pas ça. En plus, la musique me dit que c'est pas Luke. Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu fais, Clémy? Tu prends autant de temps à regarder par la fenêtre? J'ai rien vu, moi. Si tu me montres... Allez, Clémy, s'il te plaît. Clémentine. C'est qui, ce gars-là? That's not Luke. Oui, bah ça, j'ai compris. Clem, I think I know him. C'est Carver, c'est ça? He can't see me. D'accord, you ça marche. To make him go away. Va te cacher. I'll find somewhere to hide. I don't care. Where? I'm tellement badass. Clem, I can't breathe. I can't breathe. Chut. Elle va se cacher. Elle va pas se cacher. Elle décide de rester. Hello. Ici. Oh, la porte était ouverte. Hello there. Get out of here, now. Is that how your dad taught you to greet a neighbor? I've got a gun. A smart girl, I would too. But I'm not a bad guy, honey. Promise you that. My family and I are set up a ways downriver. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? C'est quoi votre nom? What's your name? My name is George, honey. Non. Pleasure to meet you. Moi aussi. George, c'est ça? You mind if I come in for a bit? Oh, merde, il est rentré. Ça m'ennuie. Yes, I do mind. Attention, il va prendre le poisson. Pas le poisson, non. It's a nice place. Is there anyone else around? You don't usually see cabins this big out here. Just me and Dad. Yeah. What's his name? Ed. Strong name. I like him already. Where is he? He's out. Bon, je lui well, I'll cut to the chase. I'm out looking for my people.
Seven of them. C'est sûrement les gens morts de la plage. They've been gone a long while, and I'm worried they might have gotten lost. Maybe you've seen. J'ai clairement pas confiance en lui. A couple of farm boys and an old man, Spanish guy and his daughter, quiet girl, a bit taller than you. Ah. Big black guy, this big. Oh. And a pretty little pregnant lady. That's a lot of people to lose. C'est clair. Tell me about it. This whole damn thing's a pain in the ass. Et il fouille, et il continue de fouiller. Clémentine! Ah, j'ai pas de gun, c'est vrai. Est-ce qu'elle peut me donner l'arme vide, s'il te plaît? Oh, Carly. Pourquoi Carly? Carly, c'était pas le nom d'une autre fille dans la saison 1? J'en sais rien. Ah, si, c'est le nom de la première fille qu'on a décidé de choisir de sauver, en fait. Yeah, well, I'm supposed to be doing the dishes. Oh. Just passing through, or you've been here a while? Hey, listen, kid. I hope you're not one of those nuts headed up north, looking for Shangri-La. Just passing through, going north. Whole lot of people headed that way lately. Me, I don't get it. There's just as much nothing up there as there is down here. And I can't stand that Yankee weather. Who have you met going north? Oh, hell, a lot of folks. Anyone named Krista? No, not that I can recall. She a friend of yours? Yes, of course. Parce que j'en parle. Ouais, tu regardes le couteau. Ah, il a compris que je veux regarder le couteau. Oh. Where does this go? Je vais le prendre. Oh, I'll take it. Ou pas. Il a rangé le couteau. Oh, ok, il a compris tout de suite. En même temps, avec le petit regard sur le côté, Clementine, tu n'étais pas très discrète sur ce coup-là. Holy fuck. Well, it's a real nice place. Kinda cozy. Ouais, je déteste quand quelqu'un rentre chez toi et qui commence à fouiller partout comme ça. J'espère qu'il va pas regarder les tableaux de canard. I knew a guy that always wore shirts like this. Doctor. Real smug, son of a bitch. I don't care. You know, you're really not very polite for a little girl. And you're not very polite for an adult. This is my house. Fair point. Bim! Allez, good, sir! Well, well, White's in trouble. L'escalier va faire du bruit. Three moves away from checkmate. What was that? J'en sais rien. Eh putain, il est chiant. Il est vraiment. Oh, est-ce qu'il a vu ça? J'en sais rien. Sarah, t'es pas discrète, franchement. I thought you said nobody's here. C'est probablement le vent. It's probably just the wind. Ok, d'accord, super. Je gère super mal la situation. Ah, retourne à la cuisine, Clémentine, ne le suis pas. Récupère le couteau et plante-le lui dans son dos. Elle est cachée où? Sous le lit, c'est ça? Ouais. La meilleure cachette du siècle. I told you, nobody's here. Seems that way. Didn't mean to be rude. C'est super stressant. Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around, right? Ouais, c'est ça. Sure. Oh. Oh putain. Il a ramassé quoi là? Who's this? Ça doit être quelqu'un. Must be someone who lived here. Must be. You have no idea who these people are, do you? I don't know what you're talking about. Let me ask you this. When you met them, how much did they trust you? What's your point? If people don't trust you, how can you trust them? Techniquement, je ne les fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à toi, George. Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. Bon, okay. Well, wait, who are you? You have a real good day now. Il se souviendra que je lui ai demandé qui il était. Ok, d'accord. Bon, ben, ça s'est assez bien passé. Il est parti sans poser problème. Where is he? Si j'avais pas pris la photo, il aurait pas trouvé. Bordel, Sarah, tu me fais chier. What if he comes back?
We need to find the others. We can't go outside. Enfin, tu peux rester ici si tu veux, j'ai pas besoin de toi. Oh, ils sont Clementine. Tous de retour, ok. Sarah. Ça rassure. They told me about Pete. You know where he is, right? Come on, let's go. A man was here. What? T'as trop pu fermer ta gueule. What did she say? Someone came to the cabin. Ouais. What? Clementine talked to him. And you just opened the door for him? Calm down, Rebecca. Calm down? I am calm. You calm oh down. Oh là là, Rebecca. I didn't open the door. He just came in. She's telling the truth. Merci, Sarah. Did he say his name? Did he say what his name was? Je pense que c'est Carver. Maybe it wasn't him. You know damn well who it was. He said his name was George. George? That's what he said. Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Oh merde, je sais plus. Did he sound different? Je sais plus. Sa voix était grave. His voice was gravelly. Like how? I don't know. Comme ça. Il avait une voix comme ça. Il parlait comme ça doucement. He talked about you, Dad. You're not gonna hurt anyone, are you? Je sais plus du tout quelle couleur était son manteau. Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know, which is why he's not gonna do anything crazy or not nice, right? Right. You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. Hmm. Alright, what do you think? Did it seem like he'd be coming back? Yes. He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. Alright, you're scaring your daughter. You told me to distract her. Distract? Beam! Sarah. So I'm just an idiot? I thought we were friends. He was scouting. We got lucky. Oops. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. We don't have much time. On doit partir donc. He's right. Everyone pack up. Ok, we're ça marche. Moving now. Est-ce qu'on peut mettre Rebecca dans un coin et l'enfermer dans un placard? We have to leave now, sweetie, before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get your things. Why did you leave his camp? Because we had to. Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. Hmm. We have to leave. Okay, d'accord, ça marche. Je vais partir. Peut-être que c'est un peu comme le gouverneur de la série. We'll get him on the way out, Nick. Clementine. Il est mort. You know where he was, right? Yeah. All right. Everybody grab your stuff. Let's hit the road. Ok les amis, on va se retrouver dans le prochain épisode. À bientôt.